Tout le monde est choqué, on dirait. Regardez. Names Reborn. Names Reborn. Wow. Ah, la mort, la mort et la mort. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Suborn. Nous allons réagir face à ce que fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la disparition d'un grand homme. Mes frères et sœurs, c'est hors du commun. Regardez, regardez ça, regardez ça. Ah! Ce grand homme était tombé malade et l'avion présidentiel l'avait amené en France pour des traitements. Ça n'a pas duré. Cette personne revient comme ça. Jésus, regardez, c'est un cercueil. Tout le monde l'a accueilli samedi dernier. Vraiment, c'est une chose qui m'a choqué. Et ses parents aussi, qu'on peut le voir à l'écran, vraiment, c'est terrible. Et qu'on peut voir là, ça c'est le président de la République. Et regardez sa femme et sa fille. Vous n'imaginez pas comment c'est triste. Ce sont des images qui ont vraiment choqué tout le monde. Moi aussi, j'ai décidé de réagir là-dessus. Et vous montrer mes sentiments en direct, quoi. Seigneur Jésus, voici ce que ressent le proche à cette personne. Vraiment, c'est choquant. Quand je vois ça, je pense à ma fille. Je pense grave à ma fille. Je me dis, ah, qu'est-ce que je dois faire pour que ma fille ne ressente pas cela? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vraiment, que Dieu nous aide. Regardez, oh, le président et sa femme. Ha! Tout le monde est choqué, on dirait. Regardez, main dans la main. Ils essaient de se soutenir. Ils essaient de faire quelque chose pour ne pas tomber. Parce que c'est comme un choc. En fait, c'est un choc grave même. Regardez. Vraiment, c'est hors du commun. C'est vraiment hors du commun. Regardez cette histoire. Regardez cet homme-là derrière. Il regarde le cercueil lui aussi. Et il se pose la question, jamais. Que s'est-il passé? Mais, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vraiment, l'homme né d'une femme. Sa vie est tellement courte et sans cesse agitée. Mon Dieu, cet homme est né comme une fleur et il est parti juste comme ça. Aïe, 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 sous le regard des gens. Voici les réactions de ses proches. Regardez leur visage. C'est vraiment triste. C'est une triste image. Ah! Attends, donc nous tous, nous allons passer par là. L'un après l'autre. C'est quand vous êtes élevé, quand vous êtes un grand homme, on peut vous montrer comme ça, on peut prendre des images. Sinon, il y a certaines personnes qui meurent enterrées sans qu'on les filme quoi que ce soit, ni vu ni connu. Mais c'est triste. C'est toujours triste de perdre quelqu'un. Une personne qu'on aime bien, un être cher. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment grave cette affaire. Hyper, hyper, hyper grave. Jésus. Ouais. C'est là que nous devons respecter Dieu. Seul Dieu peut ramener le gars à la vie. Seul Dieu peut le faire actuellement. Seul Dieu. Hey! Mon Dieu. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Cet homme avait l'habitude de soutenir les gens. Même quand il ne vous connaît pas, il vous soutient quand même. Aujourd'hui, on lui remet la monnaie, sa pièce. Les gens peuvent lui rendre un honneur, un hommage hors du commun. Vraiment, vous n'imaginez pas dans quel état ses enfants sont. Et même son fils, là. Je pense bien que ce monsieur juste là derrière, c'est son fils. Son fils aîné. Aïe, 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 aïe. Quelle chaleur. Hein? Tout le monde en noir. Tout le monde est grave en noir, grave en noir.
noir de chez noir, parce qu'on est en deuil. Oh, la fin de Gundam, partie 2. Voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. Regardez le visage crispé des gens. Vraiment, la vie. La vie. On a vu de grandes personnalités qui sont aussi venues soutenir la famille, venues dire au revoir à ce monsieur-là. Ce monsieur que je vous rappelle était un premier ministre. Il occupait d'autres fonctions. Mais la fonction la plus élevée, je pense que c'est la fonction du premier ministre, le poste du premier ministre. Mais à l'heure actuelle, bon, je ne sais même plus pourquoi en parler puisque c'est déjà fait. J'espère que là où va partir, il sera un ministre là-bas. Je l'espère vraiment. C'est pourquoi quand nous travaillons sur la terre, nous devons aussi travailler pour la vie après la mort. Parce que tout le monde va partir un jour. Tout le monde va partir un jour. Que ce soit la manière, la façon. Tout le monde ira. Ouais. On ira où? Moi, j'aimerais bien savoir. Que Dieu nous aide. Et que Dieu fasse en fait en sorte que ce soit une bonne surprise de nous retrouver quelque dans un bon endroit après la mort. Mais il faut être une bonne personne quand même sur la terre. C'est comme ici, il y a la prison. Et à la justice pour corriger les gens qui ne respectent pas les règles de notre société. C'est exactement ce qui se passe dans le monde des esprits. Le plus important, c'est d'être propre. Ouais, irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est tout. Vraiment choqué. Cette image est hors du commun. Vraiment hors du commun. Regardez vous-même. Est-ce que vous en rendez compte? Et les hommes russes sont en train de regarder cette vidéo. Et ils se disent, mais waouh, que se passera-t-il à mon dernier jour? Voici ce qui se passera. Là, vous avez les informations. Les gens qui vous aiment viendront forcément vous soutenir. Ceux qui ne vous aiment pas continueront même à marcher sur votre corps après votre mort, bien entendu. Ouais, c'est la triste réalité, c'est ça ce monde. Et ceux qui vous aiment auront des larmes aux yeux. Ils auront vraiment beaucoup de larmes aux yeux. Parce que vous les avez quittés. Ils auront la tête baissée. Chacun sera en train de réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé. D'autres penseront que c'est un rêve. Oh, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que nous sommes en train de rêver? On aimerait bien que ce soit un rêve. Parce que cet homme était avec nous comme ça. On se prenait en photo, on se prenait en selfie, on faisait tas de choses. Ah, c'était un gars simple. Il mangeait du gabarit nous ici, non? Il mangeait du gabarit ici, non? Ouais, il mangeait du gabarit nous. Aïe, aïe, aïe. Seigneur Jésus. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Hein? Lui laissait le jour de son jour. C'est vrai. Ouais. Moi, mais je commence à comprendre que c'est vraiment vrai. Voici cet homme en réalité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr que quand cette femme voit cette photo, elle se dit, mais what? Que s'est-il passé? Comme la vie est bizarre. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quel être humain. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Dieu. L'homme n'est rien vraiment sans Dieu. Que Dieu soit avec nous. Qu'il protège sa famille, qu'il donne de la force à sa famille, à ses enfants, à ses proches et nous-mêmes. Méditons sur notre vie. Méditons vraiment sur notre vie. Et vraiment, donnons vraiment une grande part à Dieu dans notre vie. Une grande part à Dieu dans notre vie. Une grande part à Dieu. Ouais, à Dieu. Jesus Christ.
Waouh, c'est extraordinaire. Merci à Fresh d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous abonnez à votre chaîne. Dans la description, vous trouvez un lien. Vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à Fresh pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Reborn.